Bonjour. Pardon. Tu vas bien commander. Alors, je m'appelle Anne, je suis chargée d'insertion au Nouveau Jardin de la Solidarité. Depuis 2007, la mission des jardins, la mienne, c'est d'accueillir, de recruter des personnes qui ont des difficultés pour trouver leur place dans le monde du travail en France, de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible sur leur poste de travail et de pouvoir les accompagner à mettre en place un projet de vie ou un projet professionnel. Et bien la boîte à outils, c'est la personne qui les a. Donc j'essaie de m'adapter à ce que la personne peut me dire ou ce que je peux pressentir et valider avec elle. Et moi, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est de pouvoir individualiser ça. Il n'y a pas forcément des outils types, des choses comme ça. J'aime beaucoup travailler en individuel et puis co-créer avec les personnes des outils, des démarches pour qu'elles puissent avancer. Et puis aussi faire des choses en collectif parce qu'à plusieurs, on est beaucoup plus intelligent et ça permet de se rencontrer et de donner aussi un autre regard de soi-même, sur les autres, etc. Donc on peut faire plein de choses différentes ici au jardin. Des choses liées directement à la recherche d'emploi, des choses liées à de la confiance en soi, à la culture. Voilà, une panoplie qui est chaque jour inventée en fonction des rencontres, en fonction du potentiel, en fonction des envies des personnes. Ça fait maintenant 8 mois que je suis au jardin, une période d'essai de 1 mois. Ça s'est super bien passé depuis que je suis là. Des activités un petit peu différentes. On fait des entretiens de sentiers de randonnée, de la ponte, de la taille. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Après, voilà, sur le site au dépôt, on fait un petit peu du rangement. On sort des arbustes, etc. Moi, ça fait 2 mois que je suis là. Je suis arrivée le 1er décembre. Et j'ai eu un mois d'essai qui se sont super bien passés. Et voilà, ce qu'on fait ici pour l'instant, en hiver, bah, c'est l'entretien, les semis, on va attaquer les semis, on rempote aussi, on déplace des arbres qu'on met en jauge pour les volants. Ok, il a un petit peu flou, mais je pensais me lancer dans une formation de 8 mois en espace vert. Et voilà, pour l'instant, je me suis renseigné, je pense qu'à Saint-Imier, au CFPPA, je crois bien que c'est ça, CFPPA de Saint-Imier, il y a une formation de 8 mois qui est en espace vert. Bah moi je veux développer ma boîte parce que j'ai déjà une auto-entreprise et j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus gros. Voilà, j'aimerais passer des formations en gestion, tout ça, en comptabilité. J'ai déjà mon diplôme de CA, j'ai un CAP paysagiste que j'ai passé à Saint-Imier. J'ai fait 2 ans en horticulture et 2 ans en paysagiste. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est passer ma formation élagage. Après, on a effectué quelques stages en élagage, une semaine d'élagage, une semaine en espace vert, une semaine en maçonnerie paysagère. Aujourd'hui, donc, on est sur la commune de Charavigne pour un chantier d'entretien d'espace vert, donc de la taille des haies de la boutelière. Donc, c'est un chantier qu'on fait maintenant depuis environ 4 ans, je crois, et donc où on fait l'entretien du talus, où il y a beaucoup de haies plantées. Avec 2 passages annuels, un passage fin juin avant la saison touristique et puis un passage au mois d'octobre justement en fin de saison aussi touristique. Donc c'est un chantier qu'on a eu via les emplois verts et puis le Pays Bordonnais, la CAPV,
via le service du tourisme. Donc l'inconvénient un petit peu de ce chantier, donc, c'est que c'est dans un talus. Et donc il faut se créer des passages pour pouvoir entretenir les haies. Et sinon, c'est un cadre magnifique au bord du lac. Au mois de juin, on arrive des fois à se baigner. Mais faut pas le dire. Et puis sinon, après, on a cette partie du chantier à effectuer, plus après un rond-point qui est un peu plus loin sur le bord de la route, où on fait aussi l'entretien. Bonjour, je me présente, Éric Barbier, responsable de l'association Pêche et Nature. Moi, je suis pas. Vas-y. Dans le cadre d'une renaturation d'une berge de cours d'eau, en partenariat avec l'équipe d'insertion Les Jardins de la Solidarité, nous avons végétalisé toute une berge sur le ruisseau de Barbaillon. Historique de cet aménagement. L'entreprise qui est juste à côté de nous nous a fait appel à nos prestations pour aménager cette berge en technique végétale. Donc on a utilisé ce qu'on appelle des boudins d'héliophytes pré-végétalisés, qui permettent en fait aux berges de se végétaliser naturellement au bout de quelques mois et permettre à la berge de revenir dans un état naturel. Et c'est le système racinaire des plantes qui sont dans les boudins que l'on voit derrière moi qui servent en fait de renfort à la terre végétale et permettent de tout lier. Suivant les secteurs où on est, on travaille en partenariat depuis quelques années. Voilà. D'accord ? Agrafer comme ça, toute la longueur, 30-40. N'hésitez pas, il y a de la graffe. L'entretien des espaces verts est donc l'activité des nouveaux jardins de la solidarité qui fait ressortir les valeurs de protection de l'environnement et de respect de la nature qui sont chères à l'association. Mais cette action est rendue possible par des gens. Des gens qui ont la volonté de s'en sortir et d'autres qui sont animés par le besoin de leur apporter leur aide. Les nouveaux jardins de la solidarité est une aventure associative qui a parcouru du chemin mais qui n'est pas prête de s'arrêter. Ensemble, cultivons la solidarité.